Hello les amis cuisfesseurs du challenge cuisse fessier avril 2020, séance numéro 13 du lundi 13 avril avec un travail bien ciblé sur les fessiers, un travail que vous avez peut-être fait aux abdos fessiers de ce samedi en direct sur Facebook. On va intensifier davantage. Si tu as un élastique, c'est bien. Si tu n'en as pas, je vais te donner un moyen malgré tout de travailler avec de la résistance. Là, on cible vraiment les fessiers sur deux exercices. On est allongé, on part tranquillement, échauffement compris dans l'exercice. Et là, tu vas bien localiser la fesse, le bull on fire sur cette séance numéro 13. On lâche rien, on est toujours présent. C'est parti! Hello les amis, en place! Si tu as des élastiques, tu les mets autour. Je vais m'en sortir. Autour des genoux. Allez, moi j'en ai 4. J'en mets 4 pour avoir un maximum de résistance. On va vraiment localiser au-dessus des genoux là, ok? Vraiment au-dessus des genoux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu montes en 4 temps. 1, 2, 3, regarde bien mon talon, la position du talon. Quand j'ouvre, le talon est aligné sur le genou. Vraiment, ça c'est très important. Maintiens ton talon haut. 1, 2, 3. Si tu n'as pas d'élastique, tu apposes ta main ici, si tu veux, hein, ici, et tu appuies légèrement pour donner de la résistance. La résistance qu'il te faut pour bien travailler en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, j'adore cet exercice. 5, 6, single. 1, 2, 3, aligne toujours, hein. 4, 5, 6, 7, 8, monte en 3 ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, monte en 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 3, petit là-haut aussi, 1, 2, 3, ouvre bien, si tu as mis trop d'élastique et que tu n'arrives pas à ouvrir, enlève, 1, 2, 3, 1, 2, single, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là, tu bloques. Bloque en restant ouvert. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas faire des tout petits ici. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu accélères ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, tu partiras sur des kicks sur une diagonale. 7. 6, 5, 4, 3. Là, tu ne vas pas te servir de tes élastiques. Tu vas les garder là. 1. Regarde ma pointe. Je la positionne vers le sol. Là. Je ne bouge pas le genou. En 2. 1, 2, 3, 5, 6. Encore. 1, 2. Tu sens là. 3. C'est congestionné. En 4, 1, 2, 3, plus lentement encore, là voilà, 5, 6, 7, vers le bas la pointe, 1, 2, 3, 5, 6, 7, encore en 4, 1, 2, 3, 4, tu bloques, 5 et tu vas terminer par des petits cercles ici, 1, 2, tu as vu mon cercle, je tire un peu l'élastique, 4, 5, la pointe toujours vers le bas, 6, 7, 8, dans l'autre sens, 1, allez, élève, 2, 3, 4, tu sens ici là, 5, 6, 7, et tu relâches, ouf. Même chose de l'autre côté, donc là on travaille des deux côtés, de façon unilatérale, et ensuite deuxième exercice, avec une élévation de bridge, pour les deux fessiers en même temps. En place.
4, 3, 2, tu montes en 4. 1, 2, 3, la position est agréable. 5, 6, 7, toujours le talon. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, dernière. 1, 2, 3, 5, 6, en 2. 1, 2, 3, 5, 6, encore. 1, 2, 3, 5, 6, single. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, monte en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, monte en 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 petits là-haut. 1, 2, 3, toujours mon talon bien aligné. Hein. Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 8 singles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu bloc ouvert ici. 1, 2, 3, 4, lâche pas, 5, tu sens? Petit lentement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accélère. 1, 2, 3, lâche pas, lâche pas. 5, pousse vers l'extérieur. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kick ici. 1, pointe vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7. Tu ralentis la cadence en deux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernière. 1, 2, 3, vous voyez mon fils derrière. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, tu bloques ici. 5, 6, petit cercle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens. 1, 2, allez arrondi. 3, 4, ball on fire. 5, 6, 7, et tu relâches. Ok, on va étirer un tout petit peu les fessiers. Les fessiers qui viennent travailler ici. Ensuite, on va se servir du bridge, mais pas en statique. On aura la partie statique, c'est-à-dire qu'on va rester là-haut, mais on va jouer avec l'ouverture des genoux. Si tu as les élastiques, c'est mieux, tu peux les garder. Si tu n'en as pas, tu travailleras quand même. Tu peux aussi t'imaginer, si tu n'as pas d'élastique pour ce genre d'exercice, imaginer un espèce de collant ou un espèce de un linge que tu vas serrer pour te donner un peu de résistance. Alors, tu pars du bridge. Je vais bien me mettre ici, le bridge. Ok. Tu vas partir ici. Tu vas monter haut. Pousse ici. Et là, tu ouvres. 1, 2, 3, 4, ferme. 5, 6, 7, encore. 1. Lorsque tu ouvres, tu t'aperçois que ton bassin descend légèrement. C'est normal. Quand tu refermes, tu pousses de nouveau ton bassin vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 2. 1, 2, 3. Remonte bien ton bassin à chaque fois que tu fermes les élastiques. 1,
2, 3, 5, 6, 7 et des singles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouvrons 3 ici. 1, 2, 3, referme. Quand tu refermes, tu lèves bien le bassin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouvrons 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Petit extérieur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, allez, single. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, attention, tu bloques pour le final. Laisse ouvert. Pousse le bassin vers le haut. 4, 3, le plus haut possible. Petit lentement. 1, c'est bientôt fini. 2, laisse les élastiques tendus. 3, écarte les genoux. 4, pousse le bassin vers le haut. 5, où il y a beaucoup d'informations. 6, 7, et pour finir, 16, rapide, bull on fire. 15, 14, le plus haut possible. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches doucement. Ici. Donc vraiment, essaie de te trouver une résistance. Si tu n'as pas d'élastique, tu ramènes ici les deux genoux et tu étires un peu les fesses. Voilà pour le bull on fire de cette séance numéro 13, la séance des balèzes. On se retrouve demain pour les cuisses, séance numéro 14, on lâche rien. Et attention, car dans une séance, la séance numéro 15, pour notre challenge fil rouge, savoir si tu as progressé depuis la séance numéro 5. On lâche rien, garde le sourire et bull on fire, toujours. Bisous!